Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter en fait les nouvelles fonctionnalités de la version de l'analyse de la nouvelle version de l'analyse sémantique, donc qui était en bêta test depuis maintenant plus de 3 mois. Donc voilà, on a déployé la version stabilisée avec la correction de très nombreux bugs suite à vos retours, et on a même pu améliorer certaines de nos fonctionnalités. Bref, il y avait quand même beaucoup de bugs autour des questions détectées qui étaient non pertinentes, des mots détectés qui n'étaient non plus pas forcément pertinents, voire même la présence de stop words dans les termes à utiliser. Bref, tout ça s'est corrigé. Maintenant, on a enfin une version stabilisée et très propre de l'analyse sémantique. Je propose de faire un petit tour du propriétaire. Vous allez voir, il y a eu quelques petites nouveautés bien sympa. Alors, une de vos en fait principales demandes, c'était de simplifier l'interface parce qu'on ne savait pas, il y avait beaucoup d'informations, on ne savait pas forcément par où commencer. Donc, il y a eu aussi un retravail sur le design et finalement les pour actions. Des analyses sémantiques. Donc, une fonctionnalité déjà nouvelle ici, la volumétrie de recherche. On va chercher en fait quel est le volume de recherche mensuel pour chacun des mots-clés. Ça vous permet en fait de vous donner une ordre de priorité sur vos différentes optimisations. Après, d'un point de vue de l'interface graphique, on a divisé ça par section avec ici toujours notre outil d'optimisation du contenu et on a voulu tourner l'outil très opérationnel. Donc en fait directement nous faisons en fait une suggestion de la longueur du contenu idéal. Donc ici pour rédaction web, donc 1700 mots de contenu en sachant que la concurrence dans le top 10 de Google est à 1547 mots. Ici, sur les top termes, donc ici, on met les top termes à utiliser, ainsi que leur contexte. C'est-à-dire que quand vous visez le mot rédaction, par exemple, il faudrait viser avec rédaction web, règles, parties, qualité, bref. Et ici, le nombre de fois à utiliser, donc le mot pour un contenu de 1700 mots. Donc ici, par exemple, rédaction 40 fois, rédacteur 40 fois, contenu 30 fois, etc. Avec ici une importance. Des mots à l'utilisation. On peut avoir des mots plus faibles avec en fréquence, mais une importance plus grande. Comme ici, par exemple, le mot référencement est à utiliser 8 fois avec ici une importance plus importante. On a fait aussi beaucoup d'améliorations sur la partie structure de contenu. Donc ici, directement, en fait, on va suggérer les paragraphes. Peut-être les titres qu'on peut aussi trouver pertinents pour chacun de ces paragraphes. Donc ici, on a un paragraphe à faire autour de la rédaction du rédacteur et du client. On fait la suggestion des différents termes à utiliser. Même chose ici pour la partie tarif, prix, offre. On a une autre suggestion sur l'écriture, je pense que c'est les règles d'écriture, donc texte avec la longueur, les URL, le H1, la description. Bon, c'est concordant par rapport à la thématique dans laquelle on est sur la rédaction web, donc là, l'écriture, copywriting, les 5W, la promesse, et une autre section dans votre contenu sur la partie plateforme. Je pense, voilà, cette plateforme Scribble. Ce sont justement les plateformes de rédaction de contenu. Et enfin, on a donc ici toujours sous forme d'onglet, on a la partie maintenant questions découvertes dans l'analyse qui sont ici pluguées directement avec les Google Suggestions, qui sont beaucoup plus intelligibles. On avait beaucoup de bruit sur les anciennes questions. Ici, elles sont regroupées en fait par thématique. Comment réussir une rédaction web? On met à chaque fois un score, en indiquant en fait la pertinence et l'importance en fait de répondre à cette question-là dans les contenus pour chacun voilà pour chacun de vos paragraphes vous allez pouvoir utiliser toutes ces questions. Et enfin pour booster en fait votre pertinence thématique aujourd'hui vous savez que le contenu est roi
et que Google a besoin en fait d'avoir toute une galaxie de contenu autour de votre page pilier, donc c'est là le principe des clusters thématiques. On propose en fait d'autres sujets à aborder et on peut relancer directement ici une analyse sémantique en cliquant sur le bouton. Donc voilà, on a voulu rendre tout cela très opérationnel. On peut directement mettre en action, soit en téléchargeant aussi donc le modèle rédactionnel, donc là on retrouve l'intégralité d'informations dans un fichier Word, soit directement depuis l'interface pour que vos rédacteurs puissent facilement optimiser les contenus. Même chose sur l'outil d'optimisation de contenu. Donc là, on a fait un gros travail sur. On a eu beaucoup de bugs sur la non-détection de certains mots. Donc là, c'est le changement en fait, du moteur lexical qui nous a permis en fait, de gommer toutes ces erreurs. Et on a voulu quelque chose de plus opérationnel. Bon, en fait, ici, on avait un tableau qui regroupait beaucoup, beaucoup d'informations. Donc là, maintenant, on a divisé tout cela par section. Donc ici, avec les mots à ajouter dans le contenu, concrètement, mon contenu, par exemple, ne parle pas du tout de tout ce qui est lié au métier de rédacteur et de freelance. Donc là, voilà, on passe au mot métier en le champ sémantique qui s'affiche à utiliser. Et les mots à retirer, notamment quand il y a de la suroptimisation du contenu. Et ici, les mots parfaitement optimisés. Vous allez bientôt retrouver les questions à utiliser dans votre contenu, toujours par ordre de priorité. Et bien sûr, notre outil phare qui permet ici de faire une détection en fait, des sujets perçus dans le contenu et une estimation en fait, sur quels mots-clés finalement le contenu va pouvoir se référencer. Donc là, voilà, on a bien dans le top 3, on a bien dans le contenu, rédaction web et moteur de recherche, donc on est bien sur le bon sujet. Et le contenu est suffisamment pertinent pour se positionner dans les premières positions sur Google. Donc voilà un peu pour le tour un peu du propriétaire pour cette grosse mise à jour. On a un peu tous vos feedbacks. On a travaillé 3 mois sur cette mise à jour. J'espère que certains d'entre vous qui ont testé en fait l'ancienne version étaient un peu déçus en fait par la non-pertinence de certaines choses. Je vous invite maintenant à retester et auquel cas, si vous retrouvez des choses qui toujours des bugs ou des anomalies, n'hésitez pas à me le remonter.